Une petite balle de tennis jaune, rond comme un ballon, et plus jaune qu'un citron, c'est... SOFTBANK! Avec plein de couleurs et d'arc-en-ciel autour. Distributed by Gambank Corporation. ITC! Interactive Sex Toys for Communication Incorporations. Sierra! C'est plus fort que toi! Dynamix! Oh! Les boules sont en feu! Balls of Fire! 1, 2, and 3! Et quel est le nom du jeu? Même si c'est un jeu qui est sorti qu'au Japon, c'est ta-da-da, ta-da, ta-da-da, Rama 1,5! Moitié Uchu, ba-da-da-ba, moitié nos rendez-vous, ba-da-da-ba! Et oui, et c'est Uchu nos rendez-vous, Rama, salut nous! Et c'est Yannou, et bienvenue à la saga jeu vidéo ludique polygonale sur notre belle PlayStation, je l'ai nommé PlayStation. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul comme vous avez pu l'entendre, mes petites pattes, puisqu'on est avec Nexus 623, créateur de la chaîne Uchronic. Salut à toi! Salut Yunoul, comment va? Et c'est une première en plus aujourd'hui. Et c'est une première, non pas le featuring, puisque tu as déjà fait moult épisodes sur Vieille Station, bien entendu, mais surtout que c'est la première Vieille Station dans deux pays en même temps. Et oui, Belgique pour toi et France pour moi. Bra, pa, 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 pa. Tout à fait. Ça passe les frontières, c'est un mondiovision. C'est incroyable. La technologie est incroyable de nos jours. En 1998, c'est incroyable. 20 ans après, on arrive à jouer à Rama. Alors, pourquoi tu es là? C'est très très simple, parce que toi, tu adores cette série, ce jeu, même cette adaptation jeu vidéo ludique. Tu vas nous en parler, tu vas me guider. En fait, c'est toi qui vas faire l'épisode, en gros. Oui, je jouerai pas, mais je guiderai, en effet. Je vais juste suivre, voilà. Nexus 624 m'a donné la foi, et je vais guider, c'est pas, voilà. Et en fait, ce jeu n'est sorti que sur PlayStation pour le console, 2 ans après la sortie PC, qui elle a été internationale, quoi. Et malheureusement, ce jeu n'est sorti qu'au Japon sur PlayStation. C'est ça le problème. Donc c'est d'ailleurs étonnant, hein, c'est comme je disais, hors caméra, on va dire, hors vidéo. Hors épisode. C'est que c'est quand même Sierra qui le fait. Alors les autres compagnies qu'on voit avant, je connais pas. Donc à mon avis, c'est eux qui ont adapté le jeu sur PlayStation. Ouais, ITC, ouais. Mais Sierra, ça reste une entreprise américaine. Et c'est ça qui est incroyable. Je comprends pas le trip d'avoir. En plus, tous les acteurs sont, sauf un qui est, qui est japonais. Qui est japonais, ouais, qui est dans le vaisseau. Donc, mais le reste, c'est des Irlandais, c'est des Américains, c'est une Française, Nicole Desjardins. Donc c'est encore plus incompréhensible, parce que du coup, voilà, là on le voit bien, parce que sur le menu tout à l'heure, tout était écrit en anglais, donc on se dit, alors Yannou, là, tu nous dis des bêtises. Mais non, je suis sous la supervision de Nexus 624, donc je ne peux pas dire de bêtises par rapport à ce jeu-là. Rendez-vous avec Rama. C'est ça, hein, pour le coup. C'est ça, exactement, ça vient du livre éponyme, on va dire, des termes un peu comme ça, de Arthur C. Clarke, qui est tout simplement celui qui a écrit 2001, l'Odyssée de l'espace, tout simplement. Tout simplement, hein, excusez-nous, voilà, du coup. C'est quand même un grand monstre de la science-fiction qui a écrit Rendez-vous with Rama. Il y a 4 tomes en tout, c'est une quadrilogie. Et donc là, c'est vraiment le point and click sur le jeu où on doit rentrer dans ce vaisseau. Et on va peut-être expliquer un petit peu le vaisseau, mais on l'expliquera peut-être après. Tout à fait. Et du coup, là, j'ai mis les interviews qu'il y a par rapport aux créateurs et aux acteurs qu'il y a dans le jeu, mais tout est doublé en japonais. Donc c'est vraiment une exclue Japon qui est sortie 2 ans après, vraiment à la ramasse par rapport à la sortie un petit peu initiale qui est sur PC. Donc il est disponible sur PC, c'est ce que tu m'avais dit? Il est disponible sur PC, il est disponible sur Abandonware. Ils ont fait une version DOSBox qui lance mais sur Windows 10 sans aucun problème, et ça permet de découvrir un très bon point and click avec pas mal d'énigmes assez corsées. Hein, Donc jetez-vous dessus, hein, mes petites pattes. Donc ça, le prologue, c'est ce qu'il y a avant, j'imagine? Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, ici, c'est dommage, ça c'est rigolo. Voilà, donc là, c'est Arthur C. Clarke qui a supervisé le jeu. Quand on meurt, on le voit, donc c'est peut-être une occasion qu'on va... Bah, qu'il meurt. Enfin, si on meurt, on le verra peut-être, je sais pas. C'est possible. Et du coup, c'est lui qui a supervisé aussi le truc. Et là, c'est la map de Rama, où il va expliquer... Ben là, il explique sûrement en japonais. J'ai pas le retour son, moi, donc tout à fait. J'explique vraiment comme je peux. Il va expliquer ce que c'est Rama. Et en fait, pour dire, ben voilà, là, on le voit, c'est un cylindre qui apparaît dans le système solaire. On sait pas pourquoi. Et il y a une mission internationale terrienne qui a décidé d'aller voir ce que c'est, tout simplement. Et c'est un cylindre... extraterrestre, hein. On est d'accord, c'est un cylindre un petit peu comme le monolithe
dans 2001, finalement. Oui, enfin, c'est peut-être pas la même signification. Pareil, ouais, mais... pas forcément la même signification. Après, je pense qu'Arthur Clarke s'est un petit peu amusé de ça. Peut-être, hein, pour faire ça. Sauf que là, le cylindre fait quand même 50 km, le monolithe ne le faisait pas. Hein. C'est assez grand, effectivement. C'est vraiment, là, c'est plus un vaisseau. Okay. Sans trop spoiler, hein, parce qu'au début, voilà, mais bon, là, on le voit, hein, c'est des extraterrestres qu'il y a là. Alors, attends, si on va couper. Du coup, on va couper pour rentrer dans le vif du sujet, dans le vif du jeu, en sélectionnant avec les flèches directionnelles. Les contrôles sont assez simples, hein, c'est un point and click, on peut le dire. Enfin, point and click. Ouais, c'est complètement ça. C'est un point. Et pour valider, étant donné que c'est un jeu qui est sorti qu'au Japon, on valide avec la touche cercle et on annule avec la touche croix. C'est la petite particularité. Là, on voit bien que c'est limpide, hein, franchement. Tu peux nous le lire, hein, du coup. Ouais, complètement. Ouais. Voilà, Toshiba, Nintendo, c'est marqué dessus. et voici tout à fait, le corps du jeu. Alors ça, c'était un truc de fou, cette vidéo-là qui était rendue en 3D total. C'était assez fou. Donc oui, mais le jeu est en pré-rendu, du coup, puisque c'est un point c'est, ouais, c'est du pré-rendu, tout est du pré-rendu même dans le jeu, hein, c'est-à-dire que c'est des images 3D ou fixes, quasiment tout le temps d'ailleurs, je pense. Si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs, mais je pense que c'est du 3D rendu fixe. Ouais, déjà pré-rendu. Avec certaines rendues en 2D. On va sûrement croiser des trucs qui s'appellent des biotes. Bon, plus tard, ça, j'en expliquerai pour la suite. Ouais, ça me va. Ceux-là sont rendus en 3D, si je dis pas de bêtises. Alors, sur la version PlayStation, je sais pas, mais sur la version PC, t'es rendu en 3D. Donc, du coup, là, on note bien que au niveau de... Donc, on est dans un genre de capsule, un petit vaisseau. Hein, si, on a croisé le cylindre qui fait 50 bornes, ce qui est pas mal. Hein, ouais, c'est une bonne distance, quand même, hein, on peut le dire. C'est pas mal. Et on les a fait vite, hein, aussi, les 50. Et en fait, au niveau de l'écran qui est en haut, la partie majoritaire de l'écran, donc ça, c'est là où ça va se dérouler un petit peu le jeu, puisque c'est le point and click, on voit qu'en fait il y a une image détourée pour faire notre cockpit et après le truc est pré-rendu derrière, donc ce qui nous donne cette sensation vraiment de vue à la première personne. Et en bas, je pense qu'il y a un genre de boussole, l'inventaire en bas à droite et en bas à gauche. C'est ça. Tu peux nous le dire, en bas à gauche. Alors en bas à gauche, c'est pour dire les objets, ce qu'on a comme objet, etc. D'accord. Alors au milieu, c'est bien entendu direction, et à droite, c'est l'inventaire. Là, pour dire au niveau du jeu, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, l'équipe qui devait visiter Rama pour savoir ce que c'est comme engin, ouais, dépêche une nouvelle personne et vous êtes cette nouvelle personne. D'accord. Voilà, c'est pour dire, c'est au niveau du scénario. Et voilà, là on rencontre Nicole Despontin, la française de l'équipage, qui explique à peu près les règles dans Rama. Elle va expliquer qu'à droite ici, c'est nos casiers. Ouais. En face, on l'envoie ici, en face à gauche, l'ascenseur. Ouais. Et encore plus à gauche, mais là on ne le voit pas dans l'image, mais là elle explique le casier. Ah oui. Et on voit pas l'image, il y a les emails, etc., etc. Bon, mais elle explique les règles du jeu et c'est comment dire. Alors ça, c'est du FMV, voilà. Cherchez le terme du FMV. Ah oui, tout à fait. Full motion video. Full motion video. Ouais. Qui était un des gros arguments de la PlayStation, alors que finalement, c'est de la vidéo, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement. Mais c'est quand même une vidéo. Elle est quand même une vidéo dans un environnement en 3D. Voilà, donc c'est quand même bon, c'est quand même pas trop mal. Franchement, moi j'avais été sur le cul avec ce jeu-là, quoi. Franchement. Ouais. C'était assez fort. Sur PC, bien entendu. Alors, je pense que la résolution PC est supérieure à celle-là, honnêtement. Je pense. Alors moi, je peux pas trop te dire vu. Oui. On fait avec les moyens du bord. Exactement ça. C'est... Ah mais au revoir. Salut Nicole. Voilà, là elle va partir, elle va prendre l'ascenseur quand même parce que bon, la cohérence de l'open world, hein, bien entendu. Donc du coup, elle va partir, elle va piquer ton ascenseur. Ça c'est sympa. Alors du coup, c'est très bien. Du coup, tu peux pas y aller. Donc là, on voit rien. Il fait nuit parce qu'en fait, il y a un cycle jour-nuit dans Rama. C'est bloqué, tout à fait. Donc du coup, elle est partie, elle te pique l'ascenseur. Alors c'est fait exprès pour pouvoir te diriger dans ce vaisseau. C'est vrai que je peux peut-être. Ah voilà, ça y est, ok. Donc avec les flèches directionnelles. Ce que je peux te conseiller au plus vite, c'est d'aller à droite. Ok. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est pas forcément une zone très intéressante. On te parle de vaisseau spatial et on voit que dalle. C'est pas forcément l'endroit le plus intéressant. J'avoue. Donc je vais essayer de te diriger pour passer ce machin-là le plus vite possible. Allez. Il faudra juste que tu me guides. Tu vas sûrement entendre le bruit d'un ascenseur qui remonte. Et là, malheureusement, j'entends pas. Je suis complètement sourd sur ce truc-là. Ok, alors on va faire monter le sonotone. Non, c'est pas grave, mais si toi tu arrives à l'entendre déjà, c'est bien. Moi je ne suis que. On fait ça. Donc du coup, on fait avec les flèches directionnelles pour se diriger gentiment. Et on va à droite directement avec les casiers dont Nicole et donc toi nous parlez. Donc là ça va de 1 à 12. Et j'ai la clé. Alors ce que tu peux faire,
J'ai la clé qui indique 2. Voilà, donc, si tu veux, tu peux déjà commencer à y aller. Okay. Ou tu peux attendre un peu et aller à droite, encore à droite. C'est ah oui, alors d'accord, là, ok, il n'y a pas de... Là, il n'y a plus de flèches pour le coup, pour se diriger. Donc c'est vraiment directement avec les flèches directionnelles à volo. Paf, voilà. Voilà, et là tu vas tout droit. C'est un peu... Faut savoir un peu, à gauche, et tu prends tu descends le machin. Tiens, l'échelle. L'échelle qu'il faut savoir qu'elle est là. Hein. Donc du coup, on me propose à gauche vers les casiers ou à droite? Je pense que ça sera plus à droite, à mon avis. Mais... Ok. Oui, effectivement. Alors que c'était un petit peu. Donc, l'échelle directement. Ouais, exactement. Et là, tu peux te balader, tu vas trouver une espèce de truc bizarre. Je vais expliquer pourquoi ce truc bizarre. Alors là, en face, je suis bloqué, donc c'est plus vers la droite, voilà. J'imagine. Tu vois ce machin qui clignote? Et ça brille. C'est un truc particulier, je te laisse la surprise. Ok, et là, je sens que ça va être une boîte à proutes. Exactement, une boîte à proutes qui fait du mal. Ah oui, mais là, armée inactif. Là, il y a un petit objet qui est en face de moi. Je par cœur, c'est horrible. Ah, et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même le petit logo nucléaire, au cas où, armée par armée. En fait, vu qu'ils savent pas ce que c'est comme engin, si c'est hostile ou amical, ils ont mis une bombe nucléaire où ils voudraient faire tout péter. Voilà, on sait jamais. Donc là, j'aimerais bien... Tu prends la clé. Donc c'est vers la droite, du coup. Tu vois, il y a la petite clé près à côté d'une active ici. Ah, ici, il y a un... Ouais, je la vois, mais... Ah, c'est pour prendre les boules. Attends. Là, je peux pas t'aider, hein. Je sais pas t'aider comment faire. Ah, ok, alors donc c'est triangle. Ah, ouais c'est... Donc en fait, quand vous êtes... Ah, oh, c'est génial, donc, ça. Donc mes petites pattes, bah toi aussi, du coup, hein, si tu veux le faire sur PlayStation, en version japonaise, puisqu'on comprend rien, tu le vois, en haut à gauche, il y a écrit Ki. Enfin, Kei, donc c'est la clé. Kei, ouais, c'est marqué donc en katakana en haut à gauche sur la barre bleue que vous voyez en haut à gauche de l'écran, mes petites pattes. Et pour activer vraiment les objets avec ce curseur, avec les trois triangles verts, vous appuyez sur la touche triangle. Et après, vous appuyez sur la touche cercle pour prendre donc l'autre clé ici, puisqu'elle vient s'ajouter en bas à droite avec la clé 2 qui était pour le casier numéro 2. Et pour prendre les objets, les utiliser, c'est la touche carré. Et là, vous voyez que les objets grossissent en bas à droite dans votre inventaire et c'est toujours marqué en haut à gauche. Donc là, ça c'est ta clé personnelle. Une clé. Ouais, donc c'est ça. C'est exactement ça. Donc, nous avons récupéré les deux clés avec l'étiquette que je n'ai pas vue. Oui, nous avions marqué clé. Là, c'est pour le casier 6 qui est verrouillé déjà. Donc du coup, ça va nous permettre d'ouvrir un autre casier plus facilement. Ok, donc on revient là où on était. Tu peux aller au casier. Là, en fait, normalement, après, il faudrait aller voir les emails. Mais bon, c'est peut-être pas très intéressant d'aller voir des emails. Ça marche. Donc du coup, je vais te donner le code par la suite. Ah bah oui. Là, le featuring est de bon aloi, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est en plus un code qui a été très longtemps... non, je vais rien dire. Ok, d'accord. Ça a été très longtemps un code que j'utilisais. Enfin, bon, non, j'utilise. Ah oui, coup, d'accord. Mais... Oui, non, on va peut-être pas le dire alors tout de suite. je m'en fiche. Je viens de voir le 6 actuellement là. Sinon, je l'aurais pas dit. Mais bon. Alors attends. Est-ce que c'était comme ça? Ouais, c'est ça. Tu vises le casier correspondant. En fait, quand c'est rouge, mes petites pattes, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et là, tu peux l'utiliser. Si, justement, normalement, tu peux l'utiliser quand c'est rouge. Ah si, c'est l'inverse alors, pardon. Tac. Ah, ça va être compliqué. Alors, c'est peut-être deux fois carré. Ou pas, ou triangle, ou quoi. Essaye déjà avec la tienne. Ouais, on va peut-être faire ça, ouais. Ah, c'est encourageant. Alors, attends. Alors, peut-être croix, peut-être start. On va essayer toutes les touches, hein, mes petites pattes, c'est pas très grave. Eh ben, tant pis. Oh, ce trip, quoi, mine de rien. C'est terrible, ça. Est-ce que tu peux pas avancer d'un cran en plus? Ah-ha. Ah ah. Ok. Voilà, je me disais bien qu'il y avait un écran en plus. Hein. J'avais un doute. Ah, ça fonctionne. Ah bah oui. Ah là, je vois rien. Et là, on peut ouvrir. Voilà. Donc toi, t'as ton ordinateur personnel et une lampe de poche, si je dis pas de bêtises. Je veux juste revenir sur cette petite minute de malaise. c'est qu'en fait, la clé, je reviens peut-être là, la clé quand même s'active de la bonne couleur. Et en fait, te laisse un faux espoir, quoi. Donc, il faut d'abord aller vers l'avant, choisir son casier, et après choisir sa clé pour récupérer ses petites affaires. Ah ouais, c'est pas mal. J'ai plus le souvenir de la version PC pour ça, tu vois. Donc là, t'as un ordinateur et une lampe, faut que tu les prennes les deux. Donc, on n'oublie pas triangle pour sélectionner les objets, hein. Sinon, ça ne marchera pas. C'est ton ordinateur portable qui va te permettre de scanner un peu tout ça, le futur, quoi. Donc, ISA et l'ordi portable. Donc, on va récupérer le casier 6 maintenant. Alors, le casier 6, si je dis pas de bêtises, t'auras un petit bonhomme. Alors, devine la touche qu'il faut appuyer pour aller en bas du casier 2 au casier 6. Vas-y, fais-moi rêver. R.
Allez, je dis R. Non, non, quand même pas, mais la touche droite, la flèche droite. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense qu'il a quand même été adapté à un petit peu avec lui, quand même. Ah, peut-être, peut-être. Ça a été ouvert, là? Tac, ouais, donc c'est bon, donc on récupère plein de choses grâce à toi. Alors, ici, tu vas avoir... Ah ben, en fait, je crois qu'on est obligé de rentrer dans, dans les mails, hop, en fait. Je récupère absolument tout. Ah, il n'y a pas de... Ouais, alors ça, c'est des puzzles, ça. Ouais, donc il n'y a pas d'espace dans l'inventaire, ça c'est cool. Non, l'inventaire est assez monstrueux. Ah ben en fait, il faudrait voir les, faut que t'ailles voir les mails. Par contre, on a perdu les couleurs dans l'inventaire. Je sais pas si c'est... Ouais, j'avoue. Bon, c'est comme ça. Ok, alors, on va voir les mails, donc c'est... là... C'est de l'autre côté. L'autre côté. C'est là où il y avait l'échelle tout à l'heure? Ouais, tu continues tout droit. Tu verras un PC, si... Donc il est moins tactile. Non, pas l'échelle, pardon, j'ai une bêtise, c'est de l'autre côté, complètement de l'autre côté, tu vois là. Ok, donc vers le sas. Vers le sas, ouais. Ok. Donc le jardin est parti, voilà, enfin tout en face. Là, maintenant, faut que tu ailles à droite. Ouais, d'accord. Hop. Encore, là tu vas tout droit. c'est très dur, hein. Tu vas à gauche. Ok, donc vers l'ascenseur, là où Nicole était partie. Ouais, à peu près, voilà. Là encore à gauche. Là, l'ascenseur n'est pas encore revenu, mais ah, il faut débloquer un petit truc. Ah oui, là, il y a un ordinateur, effectivement. Voilà, il y a un ordinateur et il faut... Très futuriste pour 96. Exactement. Enfin, 98, puisque on rappelle, c'est quand même les 20 ans du jeu sur PlayStation. Et donc là, je m'avance, je fais comme d'habitude, et là, les mails, tout simplement. Alors là, ça va être le gros problème, c'est qu'il faut trouver le mail où il propose... Oh, ça va être l'enfer. Alors, ce qui est en jaune, c'est les urgents. D'accord. Donc, fais les deux urgents, tu vas pouvoir traduire si tu veux. Alors, lui, c'est le doyen, c'est l'Irlandais, tout ça. Enfin, l'Irlandais expatrié aux États-Unis, qui est content que sa petite famille voit son grand-papi dans l'espace. Oui. Mais c'est vraiment ça, hein. Il t'explique ça comme ça. Et il va te donner le code qui est 4143. 4143, ok. Mais en fait, il faut d'abord déclencher le message pour déclencher ensuite la suite. Imagine l'événement. Sinon, ça marche ouais, pas. Ouais, c'est ça. C'est scripté, en fait. Au niveau du détail, c'est pour ça qu'on parle beaucoup dessus, parce que de toute façon, le jeu est entièrement en japonais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une once d'anglais à part le menu au début, quoi. C'est vraiment juste l'approche. Et après, tout est en japonais. Donc, il n'y a pas... tout est redoublé. Tu sais, ça aurait pu être la voix de l'acteur derrière, comme dans les documentaires ou les reportages, avec légèrement la voix de l'acteur derrière, et puis après, ça parle par-dessus. Mais là, pas du tout. Ils ont tout gommé, ils ont redoublé doublé par-dessus comme ils ont l'habitude de faire. Je trouve ça terrifiant personnellement, mais c'est vrai qu'aussi le Japon a vraiment une culture du doublage, tu vois, c'est-à-dire que les gens ils se reconnaissent sur les doubleurs japonais, ce que nous on n'a pas forcément. Alors on en reconnaît certains, hein, celui qui a doublé Tintin, etc., mais même moi je serais incapable de te dire ton son nom. Oh Milou, je m'appelle Thierry Vermouth. Oh Milou. Voilà, ben voilà, toi tu les connais, tu vois, ça c'est bien, mais c'est vrai que nous on n'a pas cette culture-là, on va les reconnaître, ouais. Mais on n'a pas cette culture que eux ont ici, donc voilà. Donc voilà, t'as fait le premier mail, tu sais que le code c'est 4143 grâce à ça. Ok. Et il faut faire le deuxième parce qu'en fait il va te présenter l'animatronique. Qui est tout petit, son petit robot sur le bureau là, ouais. Voilà, donc du coup, tu vois, je m'en rappelais, il va te dire que c'est dans le casier numéro machin. Et quand tu l'auras récupéré, ce machin là, alors c'est un mec qui est fan de Shakespeare. Ah. Et tous ses personnages sont liés à Shakespeare. Ah. Donc du coup, il va dire des répliques de Shakespeare tout le long du machin, etc. Dans le bouquin, c'est comme ça aussi. Hein. Sauf que là, ça va être en japonais. Ouais, mais du coup, c'est du Shakespeare en japonais. il y a un petit côté fun. Voilà, donc il explique un peu tout. C'est pas le truc le plus passionnant, malheureusement, c'est vraiment le tutoriel où il va expliquer. Ben voilà, lui, il va pouvoir t'aider. En fait, c'est ton aide. Ok. C'est le point d'interrogation dans le jeu, dans le point and click, quoi. Après, question time. Dans le jeu, ce que j'aimerais te montrer, vraiment, parce que là, c'est vraiment l'intérêt, c'est pas ça. Enfin, ça peut être intéressant, c'est le début. Mais c'est se balader dans Rama. Il y a possibilité, dès le début, de se balader dans pas mal d'endroits et assez vite, quoi. C'est-à-dire, ça va prendre beaucoup de temps. D'accord. Et te montrer pas mal d'endroits. Des endroits où ils parlent de science-fiction, enfin tu vois qu'il y a des gens qui font des expérimentations. Il faut savoir que dans Rama, il y a plusieurs villes et les villes ont des noms de villes réelles, c'est-à-dire qu'il y a New York, il y a Londres, d'accord, il y a Tokyo, si je dis pas de bêtises, mais ça j'ai un doute. Et ça pose pas de problème avec les vraies villes du coup, c'est pas un souci. Non, c'est en fait, ils ont dû cartographier l'endroit, je t'expliquerai quand on verra la map, parce qu'à un moment donné on y arrivera à la map. Et donc tu verras. Donc là il est en train d'expliquer que tu peux récupérer le tien sur le sixième, enfin l'autre casier qui était verrouillé. Et là vu qu'il appelle,
Tu vois, il est en train de l'appeler. Enfin, moi, je n'entends pas les voix, mais je me rappelle. Et poum, tu as dû entendre une sorte de truc qui s'ouvre. Ah d'accord, c'était à ce moment-là. Un casier qui s'ouvrait, et donc du coup, voilà. Donc toi, tu peux tout quitter, c'est bon. Allez. T'as fait tous les scripts possibles, tu retournes. Ouais, attends. Ah, tu vas avoir une bestiole arrivée. Si, ça c'est intéressant, tu vas voir la bestiole arriver. Bon, R1, c'est de la 3D de 1995. Cette annonce. Ah, mais non. Ouais, c'est... Mais non, mais il faut imaginer que quand t'es petit, enfin moi j'avais 95, j'avais 5 ans. Ouais. Là, il faut revenir au casier. Ok, donc les casiers. J'avais 5 ans, t'es là, tu fais. Oui, bah ça surprend, ouais, en plein écran et tout. Mais c'est fabuleux. Alors tu vois, c'est le casier 9 qu'il faut ouvrir, celui qui a pas de. Ah oui, d'accord. Donc, il s'ouvre. Toujours. Pour aller en bas à gauche, flèche droite. Ah oui, donc là, le code. Et là, normalement, tu peux. Je vais y arriver. Là, voilà. Ah, mais le voilà. Voilà, et là. Et voilà ton machin, il a ton service et tu vas l'avoir pendant tout le jeu. Oh, 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 gloire à J. Tu sais ce qu'ils l'ont repris dans Man in Black 2, cette idée de monde dans les casiers. Ah bon? Ouais. Et je dois t'avouer que je les ai vus, mais ça fait partie des films que je les ai vus et que j'ai plus aucun souvenir. Et que t'as oublié. Ah, mais complètement. C'était Jurassic Park 1 aussi, le tout premier. C'est des jeux que j'avais vus. D'accord. Un ami en commun, je me souviens d'un ami. On a un ami en commun que je vais pas dire son nom parce que bon, voilà. Mais qui est dans l'armée. Et qui avec qui j'avais joué sur la PlayStation à Jurassic Park. Il y avait un jeu Jurassic Park sur PlayStation de souvenir. Oui, tout à fait. Qui m'avait marqué d'ailleurs. Hein. C'était pas très très bien. J'ai pas le souvenir que c'était très bien, mais. Il est intéressant. Il est intéressant. Ouais, rien à voir. Rien à voir avec le truc. Ce que je vais te dire, c'est que le mec te disait, je suis en d'autres termes entièrement à votre service. Voilà. Ça c'est sympa. Ça, tout à la fin. D'ailleurs, il a paru dans l'inventaire. T'entends le bruit de l'ascenseur qui arrive, sûrement, je pense. Et donc du coup, il faut se diriger à l'ascenseur. D'accord. Et il a été gentil, il a refermé la porte du casier gentiment. Tac. Donc c'est là où était. Voilà, il est là. Ah oui, il est à droite. Voilà. Donc il va. Rentrons. Dans la bathysphère, hop, c'est parti. Là, c'est magique, là c'est vraiment magique. Alors j'espère que les chiffres sont en chiffres arabes, ça va. C'est vrai, ça aurait pu. Ouais, ça m'aurait un peu embêté, enfin un peu légèrement, mais bon. 4, 1, 4, 3. Et là, t'appuies sur le bouton rouge, et là c'était mythique. Alors je sais pas combien, que je me souviens plus sur... Tu vas voir Rama s'illuminer et je trouve ça, mais ça c'était fabuleux. Alors tu vois l'îlot, Rama est partagé en deux, c'est un monde cylindrique. Oui. Et là, tu vois ça. Personnellement, moi, c'était un truc, c'était mythique. Hein. Et tu vois l'ascenseur descendre et tu vois Rama s'illuminer. C'était franchement magique. Ça va te faire plaisir de retrouver ça en 720p. Ouais, j'avoue. Sur l'épisode à la fin. Là, je vois, ouais, à peu près en 10 ou 20 FPS à peu près. Si je fais ça, c'est parce que je connais le jeu. Hein. C'est surtout ça. Tout à fait. C'est surtout okay. Ça. Donc là, tu peux sortir. Moi, ce que je te conseille pour le point and click, c'est un point and click qui est assez laborieux. Deux trucs. Regarde, tu peux sortir, mais à gauche, tu vois, il y a un petit écran. Si tu peux voir, tu verras les caractéristiques de Rama. Et à mon avis, en japonais, d'accord. Ça peut être rigolo. Donc là, je sors sur la droite, puisque je peux pas faire autre chose. Je pense, ouais. Tac, l'infirmerie, gentiment, avec le mixeur, la poubelle. Alors là, tu peux apprendre pas mal de choses ici, mais à la rigueur, okay. On s'en fiche un peu. C'est pas intéressant, c'est des trucs très, très humains. Mais là, on voit Rama, donc c'est plutôt sympa. Alors, attends, où est la télé de tout à l'heure? Alors là je sais, le problème, c'est que je sais pas du tout où tu es. Va sur la droite, à mon avis, et t'avances. Tac. Alors là, je suis soit sur la bathysphère, ou soit au niveau des mallettes. Et là, il va y avoir des trucs, normalement. Les vestiaires. Là, tu vas sur la gauche, tu avances. Je fais un petit tour, pardon. Alors, est-ce que je vais dans les vestiaires? Non, t'es pas obligé. Ce que tu peux faire, c'est aller tout droit. C'est pas grave, on n'a pas vu l'écran, mais ça, à la rigueur, c'est pas très grave. C'est dommage parce que, à mon avis, il y a des moyens de voir les caractéristiques de Rama. Ouais, c'est étonnant parce que, attends, je sors de là. C'est ça, hein, je sors de. Attends. Ouais. Je sors si de là. Si t'as des trucs dans l'espèce de bac au milieu. Ouais, alors. Ça a rien à voir, c'est pour le jeu. Enfin, pour le moment là. Non, mais j'arrive pas à voir l'écran. Non, c'est pas très grave, c'est peut-être juste du décor, mais je sais pas après. Hein, la version PlayStation a peut-être rajouté des trucs, j'ai pas le souvenir moi dans la version. Ok, donc là, je file. Alors là, c'est une japonaise, elle, je crois.
Est-ce que c'est une japonaise, celle-là? Je ne sais plus. C'est vraiment une mission internationale, donc tu as vraiment toutes les nationalités qui sont venues ici. Et c'est, ça, c'est vraiment l'idée qui était vraiment chouette, c'était de rencontrer des Japonais, des Allemands, une Anglaise, une Irlandaise, une Française. Après, elle a dit « hello ». C'est le seul mot en anglais qu'on entend depuis le début de l'épisode. Mais elle a dit « hello ». Hop, elle prend son petit tuyau d'arrosage. Mais là, tu vas pouvoir sortir dans le monde de Rama. Parce qu'ici, c'est encore humain, tu vois, c'est... Ouais, tout à fait. C'est pas très... Enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, parce qu'il y a des choses à faire, mais... voilà, là, elle explique que c'est dangereux, etc. Et tu vas comprendre pourquoi, des fois, tu peux te gnagnagnagna. Ça peut être gentiment gentil. Donc toi, tu l'as fini, ce jeu? Il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai eu depuis... je me souviens avec les grosses boîtes, tu sais, t'en souviens, les grosses boîtes PC, là, c'est vrai. Immenses, que t'avais... J'avais fini sur ce PC, enfin, j'avais commencé là-dessus, mais j'étais petit, et c'est un jeu, mine de rien, au niveau des puzzles, qui est assez exigeant. Donc, du coup, oui, je l'ai fini récemment sur Abandonware. Je peux vous conseiller le jeu. Alors là, je conseille d'y aller tout droit, enfin, vers la mer. Il y a une mer intérieure, ça s'appelle la mer intérieure. Ah oui, alors là. Et voilà. Et là, tu as tous ces endroits, c'est la cohérence de l'open world. Tu peux y aller dans ces endroits-là. D'accord, déjà. Donc là, moi, ce que je te conseille, c'est que tu choisis l'endroit que tu veux. Eh oui, puisque là, c'est la fin surprise, quoi, en fait. Alors voilà, tu as des zones, tu peux aller dans ces zones-là. Ici, quand tu as des numéros, ça veut dire que toi, tu vas pouvoir rencontrer des gens. Parfait. Là, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Après, tu peux regarder, il va t'expliquer pas mal de choses, mais bon, il y a l'idée, tu peux rencontrer des palais. Là, tu as Nicole Desjardins qu'on avait vu au tout début. Ouais, qui nous avait expliqué. Là, elle va expliquer que voilà, Rama vient de s'allumer, c'est magnifique, c'est beau. Je suis toujours étonné chaque jour que Rama s'illumine comme ça. Parce que ce jeu-là, je l'ai recommencé une chier de fois. Hein. Ça, y a pas de problème. Franchement, tu traduis vachement bien le japonais, hein, parce que... Oui, exact, t'as tout compris. Ce qu'elle est en train de dire, là, voilà. Quoi. T'imagines quand même que c'est une Française qui parle en japonais et que je retraduis en français, c'est pas mal, hein. Alors qu'on aurait pu couper directement, mais non, là, voilà, il faut... Oh non, on m'appelle plus tard, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'appeler plus tard. Ok, alors le but est de se faire bouffer pour finir l'épisode en beauté. Ah, t'auras un gars mauvais, hein, ça c'est clair. Ouais. Mais l'idéal, ce serait quand même de visiter un palais que tu vois à peu près. Là, cette fois-ci, il y a vraiment un truc extraterrestre. Alors attends, où c'est que tu vois un palais, toi? Le problème, c'est qu'il faut que tu cliques sur la map pour avoir une... voilà, tu vois, tu le verras comme ça. Ah oui, un aperçu. Alors là, t'as cette montagne, clique dessus. Vite. J'ai cliqué. Tu verras les monstres, là, ils vont passer devant toi. Et là, c'est des monstres que tu as pas qui apparaissent. Enfin, c'est pas des monstres, c'est des espèces de robots, je pense que tu vois, parce que moi, je vois rien. Moi non plus, y a rien. Y a rien. Non, y a rien. Peut-être pas cliquer assez vite alors. Y avait rien du tout. Alors là, y en a. Essaye, il passe, voilà. Et là, tu vas voir, lui, il a lâché un petit truc. Alors ça, c'est des robots qui sont là pour nettoyer en fait. Sauf que le problème, c'est qu'ils nettoient tellement bien que ils considèrent aussi que ils lâchent des déchets, 10% de déchets sur leur parcours. De là, mais c'est surtout si tu es sur leur trajectoire, ils vont te bouffer. Ah oui. Hop, et là, je récupère tranquille. Donc ça, c'est un truc, voilà. Bon, ça, c'était un détail. Donc c'est des trucs qu'on récupère, mais l'idée, de rencontrer, il y a un palais qui est vraiment génial. En plus, il y a un petit truc de gameplay. Pas ça. Si je revois la map, je te le dirai. Pas ça. Voilà. Alors, c'est pas ça non plus. On va y arriver. Essaye de voir le point le plus proche du centre du cercle. Ouais, tu vois, qui clignote un peu là. Hop, là, non. On peut pas y accéder à ce point là. Oh, c'est chaotique. C'est la navigation qui est un peu. Ouais, c'est prévu à la souris. Hein. Ah, là, peut-être. Peut-être. Ah bah attends un peu, voilà, tu te fais manger, miam 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 miam. Et bah je pense que ce sera une bonne fin, et là c'est Arthur. Ah, là c'est Arthur Clark qui te dit la fin, donc il y a beaucoup de choses à voir, là ici on n'a pas vu grand chose parce qu'il y a le palais à visiter et tout ça, le palais qui est vraiment magnifique parce qu'il y a même un élément de gameplay assez rigolo comment c'est tourné. Et là, il t'explique en fait que ces trucs-là, ben voilà, ça nettoie le Rama et voilà. D'ailleurs, c'est pas très très efficace hein, comme nettoyage. Non, effectivement. Un déchet par déchet. C'était qu'un tout petit aperçu, mais malheureusement, on a pris les 20 minutes pour les 20 ans de Rendez-vous avec Rama. C'est ça le titre original, Rendez-vous with Rama. Rendez-vous avec Rama, le vrai nom du livre, c'est ça. Rendez-vous with Rama. Uchi no Rendez-vous, Rama. Et ben, ça m'a fait super plaisir que ce soit toi qui t'y colle par rapport à cet épisode, puisqu'il y avait vraiment que toi là qui pouvait me guider, sinon ça aurait été de piètre qualité, ma foi. J'espère que ça t'aura plu. Ben c'est surtout un concours de circonstances qu'un jeu pareil est sorti qu'au Japon et que moi je le connaisse aussi bien quoi. En tout cas, merci pour avoir participé à l'épisode, hein, mon cher Nexus 624. Je vous dis matinée pour certains, je vous dis à la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde, on vous dit que...